Zelda no Densetsu, Breath of the Wild, Zenkai Madewa. Une espèce, ah oui, c'est ça, le grand cheval qui fait bam bam. Mais il est parti, c'est parce que tout le monde y disait que c'est qu'un méchant, alors il est rentré chez lui. Elle est trop mignonne. Alors les Gerudo considèrent les Gorons comme étant de sexe féminin. Ça vaut ta, ça y est, ça rentre. Je me suis fait un gentil ami. Ou une gentille amie. Je sais pas vraiment si c'est une fille ou un garçon. D'accord, je vais vous laisser à vos histoires de genre et de sexe. J'ai aussi entendu dire qu'une vaille ilienne lui avait prêté main forte. Je me demande à quoi elle ressemble, elle doit être sacrément baraquée. Mon dieu. J'aime bien comment ils se foutent de la gueule de Link, quoi. Mon pauvre chéri, tu es très bien comme tu es, t'inquiète pas. Au ciel, oui. Qui ose polluer l'eau de cette petite choupette que je lui casse la gueule? Bon, ça va, toi, avec ta tronche de cake, là, tu vas me lâcher la grappe, ouais. Ce voile, quel abruti, mais quel abruti. Et ben, alors, j'aimerais tenter de me mettre en... pour remonter la cascade, mais est-ce que ça va marcher? D'accord. Qui a pu me repérer, sérieusement? Non seulement j'étais sous la cascade, mais en plus il n'y avait aucun garde dans les alentours, il y avait juste une gamine. Mesdames, je vous en prie. Il y a de la brume rose, Link. Quelque chose me dit que t'es allé dans un... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Hé! Elles sont trop belles, ces peluches! Non, j'en veux! Hé, hey, t'as fini de me regarder comme ça? On peut même plus manger tranquille maintenant. Allez, ouste du balai. C'est moi qui vais te foutre un balai dans le cul si tu continues là. Soshite, watashi tachi no dai bouken wa ima, tsuzuite iru. Comme promis lors du dernier épisode, nous allons aujourd'hui essayer de faire les épreuves de l'épée. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, c'est quand même assez compliqué. Je ne suis pas sûre de réussir à tout faire du premier coup aujourd'hui. Je vais faire mon maximum. Je pense, il me semble qu'il y a 3 épreuves, facile, moyenne et experte. Je dois pouvoir au moins faire la facile. Une voix, tu dis? Je vois. Elle t'a dit que le temps était venu. Dans ce cas, je vais te dire tout ce que je sais de la grande épreuve. La lame que tu as retrouvée, l'épée de légende, n'a pas révélé tout son potentiel, putain. L'épreuve va déterminer si tu es digne de contempler son véritable éclat. Tu devras triompher des épreuves de l'épée, une tâche qui éprouvera ta valeur comme jamais encore. Tes armes et protections te seront retirées, car c'est armé de ton seul courage que tu devras l'emporter. S'il te permet de triompher des épreuves de l'épée, alors l'épée de légende sera tienne sans réserve. Tu sembles bien impatient de relever le défi. Alors va, plante l'épée de légende dans le socle dont tu l'as arrachée. C'est assez solennel comme... L'arbre Mojo vous a expliqué que l'épée de légende n'avait pas encore révélé toute l'étendue de son pouvoir. Si vous voulez la libérer, il vous faut triompher des épreuves de l'épée. Si vous souhaitez relever le défi, plantez l'épée de légende dans son socle. Je devrais faire des exercices de prononciation avant de commencer un épisode parce que je me rends compte que pour lire, j'ai un peu de mal. Bienvenue dans la forêt Kuroko. Tu es encore plus chevaleresque que je l'imaginais. Ami héros, j'ai envie que tu sois encore plus fort. Alors j'aimerais te soumettre à une épreuve. Alors, veux-tu relever mon défi? On était parti pour faire les épreuves de l'épée. Allez, va. Merveilleux, c'est merveilleux. Tout ce que tu as à faire, c'est me montrer une baguette qui fait de la glace. Ah,
Il suffit de l'agiter et ouf! Le pouvoir de glace qui l'habite congèle les méchants sur place. Il paraît que les sorciers de glace font souvent des vilaines choses avec ces baguettes. Ami héros, moi je suis sûre que ces baguettes te rendraient encore plus fort et chevaleresque. La baguette surgelée. Je sais ce que c'est, mais I don't think I have one right now. Non, mais je sais où est-ce que je peux en trouver, c'est noté. Par contre, ce truc-là m'intrigue. Oh. Nom d'une. Tu es. Impossible. Le héros est parmi nous. J'ai commencé à me poser des questions quand le champignon sur ma tête s'est mis à pousser subitement. C'était donc un présage de ton arrivée? Je plaisante, bien sûr. Oh, héros d'Hyrule, les Korogus ont préparé des épreuves tout spécialement pour toi. Tu n'en as sûrement plus besoin maintenant que tu as retiré l'épée de légende, mais elle devrait quand même te rendre plus puissant. Bien, bien. Souhaites-tu te soumettre aux épreuves Korogus que nous avons préparées pour toi? Il faut faire quoi? Oh, comme tu es prudent, tu prends le temps de réfléchir. Que sont les épreuves Korogus? C'est un rite de passage à l'âge adulte au cours duquel il faut faire le tour des sanctuaires de la forêt Korogus. Les Korogus passent ce rite pour imiter le héros légendaire. On l'a tous passé. Moi, Noya, lui, et puis lui aussi, et même le vénérable Arbre Mojo. Non, c'est pas vrai, il ne l'a pas passé. Épreuve numéro 1. Au sud-ouest, l'épreuve du fer. Épreuve numéro 2. Au nord-ouest, l'épreuve des fleurs. L'épreuve numéro 3. À l'est, l'épreuve du feu. Tu dois surmonter toutes les épreuves pour devenir le véritable héros. Et il y a une récompense à la clé, bien sûr. Cède à ta cupidité, sois matérialiste et que ta détermination te pousse à remplir ta mission. Alors, ça te branche? Oui, mais pas maintenant. Plus tard. Comment ça, plus tard? Non, une pistache. Quel gâchis, mais quel gâchis. Très bien, alors je vais te raconter la fois où Noya a complètement raté sa danse. Ça n'a pas l'air de t'intéresser. Ne me regarde pas comme ça, c'est bon, je ne vais pas t'en parler. Excuse-moi, c'est juste que je veux faire les épreuves de l'épée aujourd'hui et j'ai juste ce petit trou qui m'intéresse. Bonjour. Ah, j'ai tout vu, ami héros. La lame purificatrice, oui, tu l'as sortie de son petit trou. Si tu veux savoir des trucs sur l'épée, demande à Macus. Macus, c'est moi. Non, ça va, merci. Associé dans la forêt, Macus est là pour t'aider. C'est gentil. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais c'est des maisons de Korogus. Oh, waouh. Mais tu es le héros? Ouais, le héros est parmi nous. Le héros est venu dans la forêt. J'ai inventé une épreuve rien que pour toi, ami héros, pour que tu deviennes plus fort. Tu n'as pas besoin de combattre, ni même d'avoir peur. Mais attention, il te faudra quand même être prudent. Alors voilà. J'aimerais voir un Rumi. Ils sont à peu près grands comme moi, tout bleus, et ils brillent dans la nuit. Pourrais-tu me montrer une image de ces créatures? Bien sûr. Oh, j'étais sûre que tu accepterais. Je suis content, merci. En fait, je ne sais pas trop où ils vivent, mais je sais qu'ils sont agiles et qu'ils brillent. Et puis qu'on les appelle des Rumis. Je me demande à quel point ils sont brillants, ça m'intrigue. Si tu me montres une image d'une de ces créatures, je te donnerai un cadeau. Bonne chance, ami héros. Je crois que j'en ai une, justement. J'ai pas une image de Rumi. Mince, j'ai dû l'effacer. Faudrait que je fasse le tri un peu. J'ai que du grand n'importe quoi là-dedans. D'accord, bon, je sais où est-ce qu'il y en a un. Déjà, il y en a un au village Cocorico. Donc je pourrais te montrer ça plus tard. Oh, bonsoir. Bonjour. Bon appétit. Ah, désolée, je crois que je me suis assoupie un court instant. Oh, mais... Oh, c'est toi, ami héros. L'arbre mojo nous a parlé de toi, oui. Tu as enfin réussi à atteindre notre belle forêt. Je t'ai attendu. Encore un peu et je prends une racine. J'ai déjà des racidelles. Radicelles. Bienvenue au nombril de l'arbre mojo. J'ai préparé ce petit lit de feuilles rien que pour toi, ami héros. Tu peux faire dodo aussi longtemps que tu veux, ami héros. Non, merci. Frais et dispo sans même prendre un peu de repos. Ça, c'est un vrai héros. Mais tu sais... Je me suis donné du mal pour que ce petit lit soit toujours prêt pour ton arrivée, ami héros. Ça ne te coûtera rien du tout. Et pas besoin d'être fatigué pour apprécier les effets réparateurs d'un gros dodo. Oh, mais c'est mignon. Oh, mon Dieu. Soulevez. Pose ça, Link. Oh, c'est très joli. Merci, je viendrai dormir une prochaine fois, c'est promis. Bonjour, toi. Voilà, c'est lui. Bienvenue, je t'attends depuis si longtemps. L'arbre mojo avait bien dit que tu viendrais, ami héros. Tu as faim, j'espère? J'ai ramassé des champignons exprès pour toi.
Bienvenue à Les Champignons, le coin des champignons. J'en ai des grands, des petits, des mini, des foufous. Allez, regarde, regarde, tu vas voir. T'en veux ou tu préfères me vendre un truc? Pas maintenant, merci. Tu peux me vendre tout ce qui t'encombre. Champignons, champignons, tout, tout, tout. Ils sont trop mignons, mon Dieu. Oh, c'est adorable. Oh, des flèches, waouh. Tiens, mais qui c'est qui est là? Salut à toi, ami héros, et bienvenue au Casse-Graines. On a plein de choses ici, des trucs que je trouve dans la forêt, et même des trucs que je trouve pas dans la forêt. Si ça te plaît, tu prends. Mais tu veux peut-être me vendre des trucs plutôt? Non, merci. S'il y a des trucs dont t'as pas besoin, peut-être que moi, je les veux bien. Des trucs qu'il n'y a pas dans la forêt, des trucs que j'ai jamais vus avec mes yeux. Ils sont adorables. Ils sont adorables. Au secours. Au secours. C'est trop mignon. Ah, I love it. Une louche. Non, merci. J'ai déjà pris la louche en photo. Je suis sûre que j'ai pas pris la louche en photo. Ah, j'ai pas pris la louche en photo. Et une petite louche en photo pour l'album, c'est parti. Bon, on va arrêter de tergiverser. On va se lancer. Je saurai en tout cas qu'il faut que je revienne ici, qu'il y a beaucoup de choses à faire pour eux. C'est vrai que la dernière fois que j'étais vue, j'ai pas pris le temps d'explorer ni quoi que ce soit, quand j'y pense, ni de parler à tous ceux qui sont là. Bref. Sommes-nous prêts? Je n'en suis pas sûre. Mais on va le faire. Allez, amour. What? Link, je t'adore en caleçon. Toi que la lame a choisi, au nom de la déesse Ilia, nous te soumettons à cette épreuve de l'épée. Tes forces ne te permettent pas de manier l'épée de légende nimbée de son éclat véritable. Affûte ton corps et ton esprit en triomphant de tous les obstacles que ce monde mettra sur ton chemin. C'est un monde de chimères où l'illusion règne en maître. Ici, tout peut arriver. Mais rien de ce que tu t'approprieras dans ce monde n'existera plus à ton retour dans le tien. Élu de l'épée de légende, triomphe de l'épreuve de l'épée et fais tienne la lumière véritable de ta lame. Ok. Ok. Je n'ai strictement plus rien. Fort bien. Alors, on ne va pas se précipiter, ça risque de prendre un peu de temps, mais il est hors de question. Ah, on va avancer doucement, on va essayer de ne pas se faire voir, je vois qu'il y a des gobelins là-bas. Tayo ! Ok, ça c'est fait. Ok, oh putain ! Ok, pas mal. Ok, 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 ok. Alors, on va pas partir tout de suite. On va bien vérifier qu'on a tout récupéré. De ce que j'ai compris, il faut faire extrêmement attention de ne rien laisser. Ah, mais j'ai encore... Oh putain, si j'avais su! Mince! Je pensais pas que j'avais encore... Ok, bon, bah, je vais m'en servir plus facilement au prochain. Vous avez dû me trouver... débile. Tain, si j'avais su, je leur aurais balancé ça dans la gueule, quoi. Je pensais que j'avais vraiment plus rien du tout. Mais j'ai encore au moins ma tablette Sheka et ses capacités. Ok, c'est parti. Alors, il y a des blocs de feu. Mais tu sais quoi, je vais pas me prendre la tête, je vais aller me jeter dans le tas. Alors, avance Link!
Voilà, déjà eux ils sont par terre. Maintenant faut que je m'occupe de toi là. Ok, ça c'est fait. Maintenant que je sais que je peux m'en servir, je vais pas me gêner. Voilà. Voilà. Saloperie de merde. Et toi là? J'ai toujours pas de flèche. Tu veux te la jouer tranquillou. Mais Link, putain. Des fois tu veux vraiment pas coopérer, amour, hein. Ça va pas le faire entre nous. Non, je pense qu'on a tout. Ok, allez, on continue. Excuse me. T'approche pas. Oh ! Ok. Non. Est-ce que je peux vous emprunter du feu ? Juste emprunter du feu, vous permettez ? Pourquoi ça flambe pas ? Ah voilà, quand même. Ok, maintenant, où est-ce qu'il était ? Bien que c'était un peu bizarre. Oh mon chéri, non! Cool! Ok. Il y en a un autre là-bas. Fort bien. Bah voilà, c'est mieux de faire comme ça, chérie. Un boomerang. Fort bien. Est-ce qu'il nous reste autre chose? En tout cas, vous êtes trop nombreux pour mon bon plaisir. Le seul truc qu'on a à l'infini, les bombes, donc autant s'en servir. Ah, je l'ai pas eu. Hey! Ok. Je pense qu'on a tout pris. On se débrouille pas trop mal, les gens, ça va. Allez. Oh là 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 là. Ok, bien. À mon avis, il faudrait que je monte tout en haut là-bas, d'abord. Quoi? Est-ce que vous êtes sérieux? Mais vous pouvez pas me voir là, je suis désolée. Je vais essayer d'attendre qu'il se calme. S'il se calme pas, je suis un peu dans la merde. Comment ils ont fait pour me voir, quoi?
C'est toi là qui casse les burnes là. Je vais te buter ta tronche de rat là. Ferme-la. Ok, maintenant on va peut-être attendre qu'il se calme. Viens. Quel connard. Géronimo. Ils m'ont pas vu. Ils m'ont sérieusement pas vu, quoi. Ok. Oh, j'ai foutu le feu. Le mieux, c'est les bombes. Jusqu'où elles vont? Yes, baby! Ah, si, il remonte. Il faut au moins que je me débarrasse de lui. Ok, il est tombé. Fort bien. Très bien, très bien, très bien. Ok, il est tombé. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est très bien. C'est bien, c'est très bien, amour. On se débrouille comme des chefs. Je suis fière de toi, chérie. Ne tombe pas. Il est revenu ce con. Ouf. Oh yeah. C'était juste, mais on l'a fait. Sans utiliser pratiquement aucune arme. C'est super. Ok, Lien, qu'on fait un petit tour tranquille. On va chercher tout ce dont on a besoin. Je pense que j'ai tout ramassé. Regardez où est-ce que j'en suis, ça fait déjà une heure que j'enregistre, on dirait pas comme ça, mais ça fait déjà une heure que j'enregistre. Aïe 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 aïe. Donc on va finir l'épreuve basique de l'épée, et je pense que ce sera tout pour cet épisode. Au prochain, on essayera l'épreuve moyenne, je crois. Alors, j'aimerais grimper dans l'arbre en face, là. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à m'occuper de ceux qui sont à l'intérieur. Je vais vous achever avec des bombes, m'en fous. Merci. Quelle histoire. Tout ça pour ça, chérie. Allez vite avant que ça crame. On va pas tergiverser plus longtemps, c'est parti. Quand est-ce que ça se termine? Je veux augmenter mon épée, s'il vous plaît, je suis gentille, je me débrouille, je suis forte, ou peut-être pas. Ah 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 ah, bonjour. Ok, le Little Rock.
Le litoto, 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 litoto. Ok. Normalement, je devrais pas trop galérer. Monte, Link. Tu es sérieux, chérie. Putain. Voilà. Donne. Bien joué, chérie. Allez, normalement, je pense qu'on a terminé, là. Du moins pour l'épreuve basique. Ah non, j'ai pas fini. Quoi? Mon Dieu, non. Mais c'est long. Bon, ok, on va essayer de continuer. Putain, c'est long, mais... Ouais, je vais jeter ça. Bon, je suis pas trop mal sortie. Mais j'ai peur que la suite soit un peu plus compliquée. Toujours pas possible de s'habiller. Excuse me, princess. Je sais que j'aime Link en caleçon, mais quand même. Ok, alors on ne va pas partir sans cuisiner. Qu'est-ce qu'on va se mijoter, les amis? T'approches pas trop, Link, sinon tu vas cramer comme la dernière fois. Alors, je pense qu'on n'aura pas mieux que ça pour le moment, les gens. Eh ben, je propose qu'on continue. Je crois qu'on n'a rien oublié. On va bien vérifier. Eh ben, on va continuer, punaise, je pensais pas que c'était si long. Allez, j'ai rien oublié. On était bien, là. On aurait pu s'arrêter là, non? 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 D'accord. Je sens que ça va être encore plus difficile après. Je voudrais éviter les désalphos. J'aime pas les désalphos, ils sont chiants. Oh merde. Les alphos. Un petit en voilà. Ok. Alors déjà, toi là-bas, tu vas être le plus chiant. Donc je propose que je m'occupe de toi tout de suite. Ils m'ont vu. On va attendre qu'ils se calment. C'est pas grave, on va attendre qu'ils se calment. Voilà. Au moins lui on est débarrassé parce que je savais qu'il allait être insupportable. Très bien. Ensuite, où ma poupette qui a fait du bruit, j'ai eu peur. Ah ! Ce que j'aime pas les lézalphos. Je n'aime pas les lézalphos. Je n'aime pas les lézalphos. Est-ce que d'ici je peux les atteindre avec mes bombes ? Non. Par contre, ils peuvent m'atteindre. Alors ça, c'est pas juste. Oh, il crame. Il va se tuer comme ça. Mec, l'abruti. Ben merci, mec. Mais sérieux. Mon Dieu, quoi. Il s'est tué dans le feu. C'est beau. Ah, que c'est beau. Ah là là, que c'est beau. J'ai eu du bol, vraiment.
Il est où? Ah, salut! Excuse-moi. Ok, on va se débarrasser de tout ce qui est pas bon. Je sais pas s'il m'a eu. Je m'en fous. Dave, please. Ok. Ok, ça c'est fait. C'est bon. Il m'en reste deux. Lui là-bas, et je sais qu'il y en a un autre là-bas. Allez! Ok. Par contre... Ah voilà, ça que je veux. Ok, nickel. Pas mal, Lynx. Pas mal, chérie. C'est pas mal. On va aller chercher le coffre. Là, il y a des trucs aussi dans le coffre. Oh, tu t'es fait mal, chérie. Ok. Bien, maintenant, il ne te reste plus que toi, là-bas. Ok. Nice. Bien joué, chérie. Bien joué à moi. You're the best. I love you. Oh là là, non, j'aime pas les sorciers. Wow. Ok. Il y en a d'autres. Là-bas, il y a un coffre. Là, il y en a un là-bas. Oh putain, j'aime pas les sorciers. Ok, des flèches, c'est pas mal. Ok, je l'ai eu. Il me voit pas. Ok, il me voit pas, ça me permet d'avoir une excellente vue. Donc je n'ai vraiment que lui à avoir. Ouais, je t'ai vu. Avance! Oh là là. Oh. Ça va. Nice. That wasn't so bad. Quand est-ce que ça se termine, cette histoire? Merde. J'ai mal géré mon steak. C'est pas trop lui que je voulais que t'attaques, Link. C'est lui, là. Voilà.
Voilà. Et l'autre, il est où? Ah, t'es là. Allez, encore une Link. He's gonna die. Nice. Alors on se précipite pas, on va d'abord chercher tout ce qui est resté dans l'eau. Ok, ça ne va guère me plaire, mais il va falloir quand même tenter. Bon. Alors ça, c'était très très dur. Ok, on va devoir manger quelque chose. Ok, je l'ai eu. Bien. Eh ben, pas la galère, hein. Sorti ma poupette. Tu viens m'encourager ma poupette. Ok. Ça c'est fait. Ok, ça aussi. Pas mal. On a pris un peu cher, mais pas mal. J'avais oublié à quel point il faisait mal. Voilà, il est tombé à l'eau. On parle plus. J'avais oublié à quel point il faisait mal, c'est con. Oh putain, il y a un big en plus. Bon. Alors prendre un peu plus ses précautions, Link. Hein. Salut. Voilà, tombe à l'eau, génial! Ha! En fait, c'est ça, hein. Le mieux, c'est vraiment être stratégique. Les faire tomber à l'eau, ça fait tellement gagner de temps. Ok, alors comme d'hab, on se presse pas, on va récupérer tout ce qu'on peut. Allez, courage! Eh ben, j'espère que j'ai assez. Parce que... Bon. J'ai rien d'autre. Ils sont pas hyper compliqués en soi. Hein. C'est juste que là, j'ai vraiment un terrain très petit. En soi, ils sont pas si durs à battre que ça. Thank you.
Non. Déjà, si j'arrive à viser. Ok, d'accord, je vois la difficulté. Voilà la petite difficulté. Mais en soi, c'est facile. Bien joué, my love. Bien joué, my love. On va aller chercher quelques noix de coco pour fêter ça. Est-ce que tu arriverais à monter tout en haut? Une et deux. Voilà. C'est quand que ça se termine, s'il vous plaît? Pas qu'il y en a marre, mais... C'est juste que Link est très séduisant de caleçon et voilà. Au secours. Que quelqu'un me baïonne, s'il vous plaît, quoi. Waouh. Élu de l'épée, tu as triomphé de l'épreuve. L'épée de légende peut désormais te révéler davantage de sa puissance. À présent, héros. Touche l'épée de légende. Je sais pas qui tu es, mec, il faut absolument que je voie ta tête. Est-ce que tu es comme tous les autres papis? N'a pas intérêt à tomber, chérie. Je peux pas voir à quoi tu ressembles. Non, tu es cachée. On a réussi, Link. Ah, t'es de nouveau habillé. Trop cool. Oh, te voilà de retour. Tu sembles plus puissant que la dernière fois. La lame de ton épée a vu sa puissance augmenter. La lame purificatrice légendaire abrite en son sein un pouvoir sacré permettant d'affronter le fléau. Elle brille plus fort depuis que Link s'est attelé aux épreuves de l'épée. Si tu souhaites affronter à nouveau les épreuves de l'épée pour l'affûter davantage, replante-la dans son socle. Merci, mais pas aujourd'hui, je pense qu'on a bien mérité... Non, Link, regarde-moi. Regarde-moi. On a dit non. On a dit qu'on allait se reposer. Ça a duré assez longtemps comme ça, chérie, d'accord ?